Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue donc à l'atelier pour ce soir. Ça va être Gans pour les réacteurs plasma. Donc on va continuer la suite avec ce qu'avait commencé Corinne. Donc on a vu le nano et donc maintenant on va voir avec le nano faire des Gans. Donc on va faire deux Gans principaux qui vont nous servir pour les réacteurs du vaisseau spatial. Alors, je vais vous montrer des photos parce que moi j'ai déjà commencé. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit la photo? On l'a vu, mais là on la voit plus. Et est-ce que là tu vois autre chose ou... Je vois toujours grand réacteur plasma. Ah, ça y est, ça vient, c'est bon. Super, merci. Ah, c'est reparti. Bon, ça va revenir. Ok. Donc là sur la photo que vous allez voir, c'est tous les cuivres nano que j'ai préparés pour pouvoir commencer à faire les ganses. Alors, est-ce que là vous voyez la photo? Pas encore. Non, non. On a vu rapidement deux photos, mais elles se sont effacées tout de suite. Repartage peut-être. Ah, c'est bon. Ok, donc là vous voyez le petit bocal et le fil d'un côté et le fil, donc c'est du fer zingué de l'autre côté. Est-ce que vous le voyez là? Oui, très bien. Oui. Nickel, merci. Donc de ce côté-là, donc on a le fer zingué et de ce côté-là, on a le fil de cuivre d'un côté. Donc là, il nous manque la LED. Vous allez la voir sur la prochaine photo. Voilà, j'ai pris des photos, plusieurs photos pour avoir toutes les étapes. Voilà, donc là vous voyez la photo. Ouais, avec la LED, ouais. Ok, nickel. Donc là j'avais ajouté l'eau. Donc l'eau distillée salée. Et donc là, j'ai ajouté la LED pour pouvoir connecter les deux. Donc connecter le fer zingué avec le cuivre nano à travers la LED. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Et tu satures toujours le sel, toi? Moi, oui. Ok, merci. Moi, je croyais que c'était. Ah, oh, mais oui, là, on va pas m'entendre. Je croyais que c'était que du cuivre pour relier les deux. Je suis étonnée que tu relies avec le zinc. J'ai pas compris la question. Oh, je suis pas entendue. On t'a entendu, mais j'ai pas Ah. compris ta question. Je croyais qu'il fallait mettre un fil de cuivre allant de la bobine nanocotée à la plaque de zinc. Je pensais que c'était un fil de cuivre qu'il fallait mettre de chaque côté. Donc je découvre là que tu relies le zinc. Voilà, c'est ma question. Je croyais que. En fait, oui, comment dire, au tout départ, on nous disait qu'il fallait mettre un fil de cuivre non nanocoté pour pouvoir le relier avec le nanocoté. Et en fait, là, je suis passé directement par la LED. Donc, oui, là, sur cette fois-ci, j'ai pas mis le cuivre pur. Mais tu as mis de fil zingué? Voilà, là c'est mon fil zingué, oui. Ouais, mais t'as fait une rallonge jusqu'au nanocoté. Je pense que ça change rien. Ah non, ça change rien parce que ça a fonctionné. C'est déjà bien.
Donc là, ce qu'on va voir ce soir, c'est le CH3 et on va voir le deutérium. Juste une petite question pour la LED. Oui. Tu mets le plus de quel côté et le moins de quel côté? Parce que la LED a toujours un fil plus long et plus court. En fait, j'ai mis le moins sur le fil nanocoté et le plus sur le fer galvanisé. D'accord, merci. Adil? Oui. Est-ce que tu peux confirmer que maintenant le sens de la LED a plus vraiment d'importance? La propriété de la LED, c'est de pomper le courant et ouais. Qu'on parle plus de sens? Oui, pour moi, c'est ça aussi. Ok. Voilà, en fait, la LED, il sert à accélérer un peu le processus pour que ça s'oxyde moins. Hein, non, en fait, la LED va permettre de justement ralentir le processus parce que l'énergie qui va être créée, elle va être consommée par la LED. D'accord. En fait, ça ne ralentissait pas, ça accélère le processus. OK. Et c'est comme ça qu'il ne s'oxyde pas. Moins. Oui, voilà, c'est comme ça que le zinc nano, il va moins se détériorer. Voilà. Ouais, moi je dirais en fait que quand tu trempes deux plaques et que tu les relis dans un liquide salé, il va y avoir un courant qui va se créer entre les deux fils de liaison. Et si tu mets la LED, ce courant-là va être consommé. Donc tu auras moins d'électricité qui va circuler d'une plaque à l'autre. Et donc moins en fait d'oxydes de métaux qui vont tomber dans la. Voilà, moi j'expliquerai comme ça. Adil, ça te convient? Oui, ça me convient. Et du coup, tu auras moins de particules de. D'oxyde. Voilà, d'oxyde de métaux, d'oxyde de zinc, moins de ZNO, quoi, vous voudrez dire. Voilà, moins de ZNO. Voilà, là, on aura plus de CO2 au départ, pendant le départ. C'est ça. Ok, donc tout ça, c'est pratiquement un mois en arrière, hein, tout ce que j'ai préparé et tout ça. Alors, vous voyez la photo? Oui. Ok. Donc là, on voit que la réaction a commencé. Et donc, vu qu'on a du zinc sur le fil de fer, donc ça commence par donner donc, du CO2 au fond. Et après, il y aura la création du CH3 par-dessus. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pour moi, ça l'est. Ok. Oui. Alors, faut bien, c'est pas du zinc, hein, c'est du fer zingué, la bobine. Oui, c'est hein. Du fer zingué, oui. Non, mais je. Oui, mais au début, tu vas faire des CO2. Bien sûr. Non, mais je précise, c'est pas que du zinc, fer zingué. Ok. Alors, le fil zingué, je l'ai acheté dans un magasin, vous savez, d'animalerie, de jardin, tout ça. J'ai acheté à Gamme Vert. Et donc, c'était soit du grillage de poule ou soit du fil. Et j'ai préféré le fil parce que moi, c'était plus maniable que le grillage de poule. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, tu peux faire une bobine et c'est bien les bobines. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais. C'est magnifique, Eddie. Ah, voilà. Là, il y a le CH3 qui commence à se faire. Ça s'est fait au bout de combien de temps, ça, là, que tu as vu apparaître le CH3? Tu te rappelles? En fait, le CO2, il commence très vite. Et après, quand le CO2 est terminé, donc que la partie zinguée a été utilisée, Il y a un petit laps de temps entre les deux, parce que moi au début je croyais que ça n'avait pas marché et que du coup le CH3 il n'allait pas se faire. Donc j'ai laissé quand même. Et ouais. Je ne sais pas, on va dire 2-3 jours plus tard, ça a commencé à se faire. Ouais. Et donc là en totalité, ça a dû me prendre un mois pour préparer ces gants. Oui, c'est ça, ouais. Ok.
Et puis là, si vous voyez le conteneur, c'est vraiment petit, hein. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait assez pour les réacteurs. Ok. Donc voilà, donc là c'est la création du CH3. Et là, mon CH3, il est prêt pour l'étape d'après. Donc l'étape d'après, ça va être créer du tritium. Donc ça, on verra ça la prochaine fois. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Et comme ça, au moins, j'aurai des photos à vous montrer. Là, ce que je peux vous montrer maintenant, c'est le deutérium. Maintenant qu'on a fait le CH3. Alors pour le deutérium, c'est pareil. Alors on va revenir à la photo de Odile? départ. Oui. Oui, les deux fils qui sont à l'arrière sont reliés à la LED, mais les deux de devant, Ils sont pas reliés. tu les laisses en l'air. D'accord, merci. Alors, pour faire le deutérium, donc ça va être pareil. Donc, il va nous falloir notre fil zinguée d'un côté, le cuivre nano de l'autre. Et donc, entre les deux fils, au lieu de mettre une LED, là, on va mettre une alimentation qui ne doit pas dépasser 1,8 ampères. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, ce que j'avais chez moi, j'ai des tout petits panneaux solaires qui font 1 volt, 1 volt 5 et qui font 500 milliampères. Donc du coup j'en ai mis 3. Donc j'avais 1 ampère 5. Donc entre les deux, entre celui-là et celui-là. Voilà. Donc, quand j'ai fait la fabrication, c'était étape par étape. En fait, pendant la journée, j'avais de la lumière, vu que j'étais dans le garage. Mais on va dire que vers 14 h, j'avais un pic sur les panneaux solaires. Et donc là, on avait bien les 1,5 ampères pendant une heure et demie, le temps que le soleil avance. Et donc après, le courant rebaissait. Et je trouve que c'était pas mal parce que du coup, ça a pu travailler tranquillement. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Et quand on n'a pas de panneau solaire, Adil, comment fait-on pour avoir 1,5 ampères? En fait, soit on peut utiliser un générateur de tension, de courant. Ou soit on peut regarder, vous savez, on a plein de chargeurs à la maison qu'on n'utilise plus. Par exemple, des vieux chargeurs de téléphone ou de tondeuse à barbe, des trucs comme ça. Et en fait, il faut regarder sur la plaque signalétique. Et dessus, il marque la puissance qui est utilisée par l'appareil. Et donc Ok. là, on peut voir. D'accord, merci. Avec plaisir. Tu peux utiliser une pile aussi. Ou on peut utiliser une pile. Et il va falloir Une plusieurs pile un peu piles usagée. ou une pile de 9 volts. Ah. Oui, non, parce que le voltage n'intervient pas, hein, c'est Oui, l'ampérage. c'est l'ampérage, oui. Donc là, on voit que là, je suis connecté avec les pinces sur les deux. Donc là, à l'arrière, on voit un panneau solaire. En fait, au début, j'avais commencé avec un seul. Je me suis dit, vu que j'avais saturé en sel, la réaction là, allait être rapide. Et en fait, non. C'est pour ça que j'en ai rajouté deux autres pour que la réaction démarre bien. Mais là, une question, là, parce que moi, je croyais que pour faire, parce que là, tu es en train de faire des deutériums, je croyais que c'était à partir du CH3 que tu faisais les deutériums. Que d'abord, tu fabriquais les CH3 et après, tu les mettais la charge. Alors Toi, en tu es fait, commencé directement. si tu as raison, mais ça va se faire tout seul. Au départ, je vais avoir une création de CH3 et après, elle va se transformer en deutérium. D'accord.
Alors, je vais voir parce que j'ai des photos, d'autres photos à montrer. Ça va être un peu plus parlant, je pense. Alors, voilà, là, ça a commencé. Donc là, on était pendant le pic, solaire. Et donc là, on voit bien que le CH3, il a commencé la fabrication. Donc, la prochaine photo. Voilà. Donc là, on voit que le deutérium aussi s'est créé. Là on voit pas très bien, mais là j'ai au fond, là j'ai mes trois panneaux solaires maintenant. Et donc là on a vu que c'est passé du marron clair, maintenant on est passé au noir. Donc là j'avais bientôt fini la création du deutérium. Alors, on passe à la photo d'après. Voilà. Là, il est terminé. Waouh! Mais il est devenu noir comme ça et les bobines trempaient dedans, toutes dedans, là? Oui, les bobines à tremper dedans. Je vais remettre la photo d'avant. Oui, non, mais j'ai vu, mais c'est étonnant d'habitude. Parce que c'est du gans. Et on dit que quand le gant, s'il commence à toucher les bobines, ça s'arrête la production, mais pas dans ce cas-là, alors. Ah, bah, en fait, là, ça ne touche pas. On voit peut-être pas bien sur la photo, mais ça ne touche pas encore. Oui, mais après, tu as fait voir, le bocal, il est plein, là. Oui, il est plein parce que j'ai remué, en fait. Ah j'ai bon, remué, d'accord. OK. D'accord. Voilà, parce que je voulais voir si tout était bien noir, donc j'ai remué avec une cuillère en plastique. Et donc après, c'est là que j'ai pris la photo. Ok, d'accord, merci. Donc voilà, donc là on a déjà la création de deux gans. Donc là on a le deutérium et on a le CH3. Et donc avec le CH3, pour la prochaine fois, donc peut-être la semaine prochaine, je vous montrerai comment on fabrique le tritium. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, c'est clair, là. Hein. Juste une petite question. Oui, Adil. Oui. Donc, j'ai fait la même chose, mais j'ai en fait deux résultats différents. Je pense que ça doit être lié à l'ampérage ou au voltage, parce que j'ai un appareil en fait de laboratoire. On peut régler le voltage ou l'ampérage, mais en fait ça se règle pas très facilement et du coup j'étais soit en dessous des 1,5 ampérage, mais avec un voltage plus fort. Enfin bon, du coup j'ai au résultat, c'est pas noir du tout, c'est une masse marron, et puis il y a une couche noire de 1,5 cm juste au-dessus. Alors, c'est peut-être du carbone, je sais pas. Et le reste est bien marron en fait, mais ça fait deux couches distinctes. Ouais. Alors il faudrait que tu remues pareil que comme j'ai fait là dans le bac. Oui. Pour voir si tout ne devient pas noir, parce que non, non, non. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai bien mélangé. C'était homogène et ça se redépose. Il y a toujours deux couches bien distinctes. Oh ouais, d'accord. Donc il y a une différence de densité entre les deux. Donc, oui. Deux ouais. Choses différentes. Oui. Ouais. Donc en fait, on a fait un peu, mais tu as toujours gardé un peu de CH3 en bas. Et tu as bien utilisé du fer zingué? Ah oui, oui, oui. Fer zingué, cuivre de nos côtés et branché en fait. Alors, c'est pour ça que je demandais, je vais essayer avec un chargeur, avec autre chose en fait. C'est peut-être une question d'ampérage, simplement. Alors, il y a aussi une chose, c'est que, comme je vous ai expliqué, je n'avais pas une alimentation continue en fait. Oui. Ça faisait comme des temps de repos pour le gans, parce que donc, ça a travaillé, on va dire,
pendant 2 heures à fond. Et après, le reste du temps, c'était très faible. La luminosité était assez faible. Mais ça t'a pris combien de temps au total pour arriver à ce résultat-là ? Bah, au total, bah, je l'ai lancé pratiquement en même temps que les CH3, donc ça m'a pris un mois pour faire ces deux gants-là. Ah, ok, d'accord. Et toi, Omnior, tu l'as fait en combien de temps ? Bah, le deutérium, ça s'est fait en 3 jours. Si tu mets du courant en permanence, oui. Oui, j'avais mis en permanence, mais je réglais parce que je voyais que ça avait beaucoup de bulles au départ. Donc, j'essayais de régler un petit peu l'intensité. Et puis, je laissais faire, mais c'est vrai que ça avait tendance un petit peu à augmenter. Donc, je redescendais un petit peu, soit au niveau du voltage ou de l'ampérage. Et puis, je laissais à peu près 3 jours en continu. Oui, c'est pour ça que. Oui. Alors, quel est le. Alors, ça fait. La consistance, on dirait, fait une forme de gants, effectivement, quand je regarde. Mais je ne sais pas ce que c'est exactement, en fait. En tout cas, c'est pas. Oui, c'est pas du deutérium, je pense pas. On met pas de bulleur. Non, il n'y a pas de bulleur. Non. Ah oui, il y a cette histoire de bulleur, oui, aussi. Est-ce que. Non, mais c'était pour simplement éviter que ça fasse des grumeaux, le bulleur. Non, en fait, le bulleur, c'était pour ajouter de l'oxygène, mais ça ne se fait plus maintenant. On ne fait plus ça. Ouais. Donc, ce qui surnageait dessus, toi, Omnior, c'est plus léger. C'est plus léger, oui, c'est bien noir. Alors, je me dis, bon, ben, c'est peut-être le carbone, en fait, qui est plus allégé, qui se redépose ensuite, qui remonte en surface. Et je vais faire comme toi, je verrai ce que ça va donner. Bon, après, c'est peut-être normal aussi que le noir se redépose en haut, vu que c'est deutérium, c'est 2 hydrogènes, donc c'est très léger comme gans aussi. Oui, mais toi, tu n'as pas cette partie marron. C'est homogène, ce que tu obtiens. Oui. Oui. Ah oui, moi, j'ai un peu sur cette photo, j'ai un peu cette couleur-là. Et au-dessus, tu aurais donc 1,5 cm de noir, en fait. D'accord. Alors peut-être essaye de faire des temps de repos pour toi avec l'alimentation de laboratoire. Si tu peux faire toi, peut-être 2 heures de courant et puis après tu coupes oui. Et tu le laisses et tu reviens le lendemain matin pour mettre 2 heures pour voir ce que ça donne. Oui, je vais faire ça. Il y a un couvercle, Adil. Il y a un couvercle. Oui, il y a un couvercle. C'est important le couvercle là. En fait, non, là, c'était juste pour pouvoir tenir mes fils de cuivre. Ah oui, là. Ouais. Tu as fait en plus grand, toi, Omnior ? Un peu plus grand, oui. Et est-ce que tu aurais des photos à partager ? Le problème, c'est que j'aurais plein de photos, mais je ne sais pas. Les photos sont sur mon appareil photo, je ne sais pas comment faire pour les mettre sur l'ordinateur déjà et les partager ensuite, c'est encore plus compliqué. Tu les envoies par mail par exemple, et comme ça tu les envoies dans ton ordinateur. Je les envoie par mail, ouais. Je n'utilise pas en fait Internet sur le mobile en fait. Ah. Le téléphone, voilà, c'est juste pour rappeler, je ne sais pas utiliser. Voilà, c'est un petit peu. Tu n'as pas un cordon pour relier sur le PC ? Si, alors j'ai un cordon, oui. J'ai un cordon, effectivement. Eh bien, tu le branches et puis tu vas dans ton. Dans ton explorateur. Tu ne trouves pas ton téléphone ? Alors, si, quand je peux mettre effectivement le cordon, ils mettent importer ou exporter, importer, je pense, les photos.
Alors, j'y arrive pas toujours, des fois ça marche. Mais là, elles sont toujours dans mon appareil. Donc, je vais essayer en fait de pour la prochaine fois de Bah, essaye. ou de me faire aider en fait pour ça. Ouais. Oui, Où est-ce que... Adil. Oui. Alors j'ai eu problème de son au départ. Alors j'ai deux questions, mais peut-être tu as déjà répondu. En fait, est-ce qu'on peut le faire avec du grillage à poule? Bah, oui. C'est de faire zinguer, voilà. Toi, tu as trouvé un fil zingué comme un fil de fer zingué, quoi. Là. J'ai acheté à gamme verte. D'accord. Et la deuxième question, c'est d'habitude, on retourne les bouts de fil là, en boucle pour pas que l'énergie se disperse. Là, tu l'as pas fait. Ouais, c'est vrai. Et ça a marché. Et ça a marché très bien. Ouais. Ouais. En fait, si tu veux, j'ai sorti les deux bouts parce que j'avais une crainte en fait que ça soit pas bien bien à nos côtés au bout des deux et que D'accord. du coup je crée aussi un CUO dans l'eau. D'accord. Voilà. Et il y a, je sais pas si j'ai en photo là, mais quand j'ai commencé à faire le CH3, le cuivre il a commencé à Si sur la photo que je vous ai montrée là, on voit que le cuivre il est un peu vert. Ouais. Voilà, donc comment dire ça? Ça veut dire que mon anneau il n'était pas si bien que ça. Il y avait quand même des petits trous dedans. Ouais, ça commençait à verdir. Ouais, donc du coup là, il pouvait quoi, il y a un gans de CUO qui commençait à se créer avec le CH3. Voilà. Donc, faut bien, bien, bien faire vos revêtements. Adil, Oui. est-ce que je peux avoir une idée? Oui. Puisque j'ai fait dans le quoi l'élégance, c'est d'une façon que M. Kesh a dit. Je prends les principes. Puisque M. Kesh a dit, pour avoir l'élégance, il faut avoir trois conditions. Quelles sont ces trois conditions? Premièrement, le métal. Deuxièmement, c'est le flux plasmatique. Le troisièmement, la salinité de l'eau. C'est bien ça? Oui. Si vous avez la salinité entre 0,3 et 0,5, c'est parfait. C'est bien ça? Non, c'est... Deuxièmement, Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. il faut avoir le métal. Par exemple, ou bien tu as le fer zinguer, ou bien tu as le zinc, ou bien tu as le cuivre. Chaque métal donne son gant. C'est bien ça? Oui. Troisième condition, c'est avoir un flux plasmatique fort. Plus le flux plasmatique est fort, plus il sort de gants. C'est bien ça? D'accord, ça je ne savais pas. Puisque l'enseignement de M. Kess, le M. Kess vous a enseigné, c'est qu'il faut premièrement passer par électrolyse. Mais c'est très difficile pour vous et pour M. Kess, puisque vous êtes, comment dire, vous êtes obsédé par électrolyse, il faut avoir un LED et tout ça. Mais vraiment, ce que j'ai fait pour avoir les grosses, des très bonnes grosses, je mets le fil d'un côté à l'extérieur pour avoir un flux très fort et je mets le métal au milieu sans liaison. Écoutez bien, sans liaison. Puisque vous mettez le LED, vous avez déjà une liaison. Si vous ne faites pas de liaison, vous suspendez seulement le zinc au milieu, ou bien le cuivre au milieu, ou bien le maille de poule au milieu, vous aurez les mêmes grains. Le zinc donne du CO2, et si vous mettez deux plaques de zinc, là-dedans, vous aurez un qui devient d'un autre côté lui-même et l'autre donne du ZNO. Et si vous mettez du cuivre, il sort du CuO. Et si vous mettez du fer zinqué, il sort du CH3. Ce que j'ai fait, et maintenant j'enseigne de faire pour les autres. Après ça, si vous avez
grand c'est de CO2, grand de ZNO, grand de CuO et grand de CH3. Et vous mettez dans une ampoule fermée et vous mettez dans l'eau salée, ça reproduit directement les mêmes conditions, avoir un champ plasmatique et du présent du gaz, ça redonne du CO2, ZNO, CuO et CH3. C'est ce que j'ai en train de faire au Vietnam. C'est plus facile, c'est plus pratique, puisque M. Sketch dit vraiment, pour avoir du gaz, il faut trois conditions, c'est la salinité de l'eau, le métal et le champ plasmatique. Mais puisque pour visualiser pour vous, il fait des plaques. Mais ces plaques-là, ça donne une obsession sur la façon de faire. Ce que je fais seulement, c'est avoir un champ plasmatique fort et le métal et dans l'eau salinité. C'est tout. Tout ce que j'ai fait, c'est que je fais de cette façon-là. Lorsque je présente pour le réacteur groupe, il y a déjà un an, à peu près un an, ils sont stupéfaits. Puisqu'ils disent, voilà, c'est vraiment le principe que vous essayez. Est-ce que tu as des photos? Oui. Bah oui, si tu veux bien partager tes photos, ce serait sympa. Oui, oui, ah, ok. Mais Nguyen, tu mets une plaque dehors, t'as dit? Non, le plaque dans le salinité, dans le coin là, attendez. Il y en a une plaque à l'intérieur, une plaque à l'extérieur, mais tu vas les voir. Voilà, c'est que je mets dans, attendez. Voilà. Vous voyez, ici, c'est le maille de cuivre. J'ai nanocoté. J'ai nanocoté. Ici, c'est le fil de cuivre. J'ai nanocoté. Ici, c'est le plaque de zinc. Ça sort directement du CO2. Je n'ai pas besoin de faire rien. Puisque ce plaque de zinc, j'ai suspendu naturellement. Puisque ici, vous avez les fines de zinc pour faire avoir un champ plasmatique assez fort. Et dehors, avec les fines de cuivre, j'ai nanocoté, ça donne un champ très fort. Et ici, c'est le plaque de zinc. Seulement. J'ai d'autres images, attendez, que je trouve. Bon. Je ne sais pas. Je vais partager mon caméra. Vous avez, vous voyez? Oui, c'est bon. Ici, c'est du CH3. J'ai mis la bobine de cuivre nanocoté. Et j'ai mis une plaque zinguée de celui-ci là-dedans. Vous voyez? Ici, c'est une plaque de fer zinguée. Et dans combien de temps tu as ton CH3? J'ai à peu près, après avoir, puisque je fais d'une façon, puisque avant, je fais avec l'électricité. Il enlève tout le zinc, mais il reste un peu de zinc. Après, je fais. Ça donne à peu près une semaine après j'en ai. Mais avec le maille, avec ça, je fais de même. Vous voyez? Ici, c'est du cuivre. J'ai nanocoté. Je mets dans les bouteilles. Ici, il y a. Ici, vous voyez, c'est du cuivre nanocoté et j'ai suspendu ça directement. D'accord. Vous voyez, c'est du CH3. Après, vous voyez ici, ça c'est à là-dedans, c'est une spirale en cuivre. Dehors, j'ai mis du cuivre nanocoté
Ici, c'est une cuivre nanocoutée que j'ai fait un silo et je mets, vous voyez, ça donne directement du sucre. Pas de lait, rien. Ce que les conditions que je fais, c'est avoir de l'eau salée, avoir le méthane et avoir un flux plasmatique. Et le pourcentage de sel, Nguyen, c'est quoi? Je prends entre 3% et 5%. Ça a tombé par terre, ça. Oui. Nguyen, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu as déjà, parce que moi j'ai déjà mis du fer dans un pot d'eau salée sans rien mettre d'autre et ça fait rouge dans l'eau oui, salée. Oui, ça fait rouge, mais on sans appelle ça c'est du homéhémoglobine s'il n'y a pas du fer zingué. Non, mais il n'y avait pas de. Ça donne aussi le couleur rouge, mais c'est hémoglobine. Ah, je croyais qu'hémoglobine, c'était du CO2 dans lequel tu trempais un morceau de fer. Non, c'est une autre chose. C'est une combinaison de Fe2O3 j'ai perdu le mot. Fe2O3 avec le quoi le avec c'est H-O-H, c'est NOH là. Avec une combinaison de NOH. Oui. Pardon. Allô. Une plaque de fer trempée dans de l'eau salée, simplement, elle devient rouge au bout d'un moment. Après, est-ce que c'est du CH3? Je ne sais pas. À mon avis, c'est de la rouille. Hein. Mais c'est, oui, c'est de la rouille, oui, tout simplement. Ouais. Voilà. Oui, c'est de la rouille. Autrement dit, de l'oxyde de fer. C'est ça. Bon, on va laisser Nguyen terminer. Et je voulais vous montrer quelque chose. L'hémoglobine, c'est pas où on rajoute un clou? Bah, normalement, c'est bon. Oui. Il dit non, lui. Ben oui. Ah, est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Ouais. Oui. Oui. Et c'est une vidéo de qui, ça? C'est une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Michel. Je l'ai sur mes contacts Facebook. Et donc, pareil, il fait des expériences. Et là vous avez vu, je sais pas si on va pouvoir voir le bac en entier. Là, il crée du CO2. Sauf que le cuivre nano, il est à l'extérieur. Ben, mais Nguyen aussi le met à l'extérieur, le cuivre nano. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je vous la montre ce soir, cette vidéo. Voilà, là on voit un peu là. Donc là on voit le cuivre ici, nano-côté à l'extérieur. Mais il a mis une LED. Voilà, il a mis une LED, puis il a connecté les deux. Ouais. Non, mais tous les jours, on en apprend une nouvelle. C'est pas possible, ça. Non, mais c'est bien comme ça. Déjà, ça t'évite que ta plaque se détériore. Et ça, et c'est bien, ça, apparemment, c'est les meilleures qualités, quoi. Ah oui, ça, c'est super, ça. Hein. Ouais. Par contre, moi, j'ai déjà fait la production. Elle est nettement moins importante. Hein. Moi, je suis en train de faire un CO2 sur une plaque magnétique tournante. Et j'ai déjà quelques millimètres à une semaine, quoi. Hein. Et il est très très fin, quoi. Tu vois, je l'arrête la nuit, je l'ai remis les matins, et quand ça s'est mis à flotter, c'est vraiment
très très fin, quoi. Ouais, j'en ai du comme ça, mais ça donne peu, hein, par contre. Ouais, mais. Pas grave, hein. Ouais. C'est le champ qui est intéressant, c'est pas le gros. Alors, j'ai trouvé une photo. Alors, je sais pas comment on fait pour la partager. Alors. Il y a un partage d'écran en bas des. En bas des. Je vois, oui, partage l'écran. Voilà. Je clique dessus. Et tu verras en haut à gauche, c'est un ordinateur de bureau, tu cliques dessus. Oui. Et normalement, on devrait l'avoir. Tchan tchan. Allez. Ça vient. Voilà, maintenant, il va falloir que tu l'agrandisses. Attends, je vais agrandir la photo. C'était celle-ci. Vous voyez? Oui. Parfaitement. Bon, à l'envers, mais enfin... Bon. Pas grave, on imagine. Donc, tu vois, en arrière-écran, on voit l'appareil qui indique 1,63 ampères en dessous dans le voltage. Oui. Et au départ, voilà, donc il y a le fer zinguer, en fait, d'un grillage à poule avec un taux de zinc en fait qui est assez assez faible, hein. et puis là le cuivre de nos côtés donc relié en fait à cet ampérage là. Donc au départ j'ai ça, c'est une espèce de mousse bleue. Ensuite ça va virer orange marron, et à la fin parce que j'avais pris les photos en continu, à la fin ben c'est marron avec la couche noire au-dessus d'un demi centimètre, quoi. Voilà. Sur trois jours. Tu devrais changer les deux cosses, parce que là, je vois que tu as ta cosse rouge. Tu as ton plus sur le fil d'un autre côté, c'est ça? Le plus, oui, est sur l'un autre côté. Oui, ouais. Bah, tu devrais les inverser, parce que normalement, c'est le moins qui va sur le fil d'un autre côté. Mais c'est peut-être ça ton problème. D'accord. Parce que si on ne met pas la bonne polarité, en fait, tu as toutes tes nanoparticules qui sont sur le cuivre et qui vont se détacher de suite. Ok. En plus, c'est pas normal que tu aies cette couleur là. C'est bleu, puisque il y a pas, c'est du zinc, c'est du fer zingué. C'est de l'oxyde de cuivre que tu as là. C'est parce que tu n'es pas dans le bon sens de voltage de. L'Écosse, c'est ça, la dille, bravo. Ouais, ça doit être ça. C'est l'Écosse qui sont versées. Ah, okay. T'as bien vu là. J'avais pas parfait. Oui. Eh ben merci Adine. Parce qu'en fait, on inverse la LED. Si on n'en a pas d'électricité, on met les plus dans les nanos, c'est ça? Et si on a de l'électricité, on met les moins. On a dit qu'on l'inversait plus, la LED, maintenant. Parce que c'est avant, au moins, on faisait... Avant, c'est ta raison. Avant, on inversait la LED. Ouais. Oui, c'est pour ça que je ne savais plus comment on connectait, en fait. Alors, je me suis référé à la LED. J'ai mis le plus sur le fil d'un autre côté. Donc, je ferai l'inverse. Tu as un moyen mnémotechnique? Non. Tu veux mon moyen mnémotechnique pour t'en rappeler? Oui. Le cuivre d'un autre côté, il est noir. On est d'accord? Oui. Donc tu mets le noir qui est le moins dessus. Enfin, moi, c'est mon moyen mnémotechnique. Ok, d'accord. Parfait. Et dis pas l'autre. Hein, juste avec celui-là, ça ira. Ah, mais l'autre. C'est l'autre, je ne veux pas le savoir. Il n'y en a pas d'autre. D'accord, merci Corinne. Quand on n'a pas de mémoire, on se débrouille comme on peut. Hein. Voilà, donc je vais arrêter le partage, j'appuie sur arrêter là. Oui. C'est ça? Ok. Si tu n'as pas d'autres photos à montrer, oui. Oui, il y en aurait plein, mais bon, je ne sais pas trop où elles sont. Merci. Merci à toi. Donc voilà, donc là, il y a. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont essayé de le faire en même temps que j'ai montré les photos. Non, moi j'attends que mes plaques y sèchent. Ils sont en plein séchage, donc je ne vais pas m'y. Je vais avoir beaucoup de patience. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est cool. Ce soir, on a vu le CH3 et le deutérium. C'était les deux plus faciles à faire. Après, on va faire le tritium
Et le tritium, apparemment, il est assez long. Et si j'ai bien compris, Monsieur Cash a expliqué que pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui a réussi à faire du tritium correct. Parce que tout le monde pense faire du tritium, mais en fait, il laisse pas assez longtemps. Il a expliqué que le tritium, ça va faire comme un nuage blanchâtre dans le CH3, ou au fond du CH3. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc il y a ça. Et Monsieur Cash a parlé il n'y a pas très longtemps de placer des balles vides hermétiques dans la fabrication des gants. Ouais, ça c'est vachement intéressant parce que même tu pourrais, par exemple, si tu décides de mettre X à l'extérieur, tu pourrais mettre ton réacteur fermé, tu vois, dans la production et tu aurais, sans besoin de mettre du gaz, tu aurais les champs. Oui, c'est ça. En fait, il y a les champs à l'intérieur. Ce qui peut être vachement intéressant, quoi. Ouais. Et ça se fait dans tous les sens, ça? Oui, on peut le faire dans tous les gants. Donc, il faut juste y penser. Quand vous faites un gant, mettez une balle de ping-pong, par exemple, ou une balle plus petite, si vous trouvez. Et comme ça, vous avez les champs. Mais ça l'a troué, comme ça qui flotte? Ouais, sans la trouver. Oui. Donc il faut la laisser flotter au-dessus. Ouais, voilà, tu la laisses flotter et en fait, elle va accumuler les champs du début de la création jusqu'à la fin de la création du Gans. Tous les champs seront compris dedans. Intéressant. Voilà, et ça peut être utile pour la suite, pour le prochain réacteur en fait. Là, pour l'instant, le réacteur qu'on fait, on va avoir de l'eau, donc ça va être un réacteur où on va pouvoir voyager sur Terre. Et si on veut partir de la Terre, et là il nous faut des réacteurs, mais avec soit de la poudre de Gans, donc plus d'eau, il faut que l'eau on la laisse ici. Et Monsieur Gesch a expliqué que donc quand on allait faire nos vaisseaux et qu'on voudrait partir d'ici, si vous partez avec votre corps physique, il a expliqué qu'à partir d'un moment, vous allez voir toute votre eau de votre corps qui va retourner sur Terre. Vous allez changer de forme. Ça peut être intéressant. Ah, Transformer en sac de poudre. ouais. Ouais, on va être tout sec. Qui c'est qui passe devant? On va lutter contre l'obésité. On est quand même constitué de plus de 80% d'eau, hein, donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va faire. Et on est déjà assez sapé, hein, en ce moment. Ouais, déjà, je pense que si on arrive à voyager sur Terre, ça sera déjà bien déjà. Alors, par rapport aux petites balles, moi j'avais déjà tenté des expériences. Alors, soit dans des petits pochons hermétiques, hein, vous savez, les petits pochons à poisson rouge, même les plus petits, hein, soit les petites balles, et j'avais créé le gans avec mes deux petites plaques directement dans les pochons ou dans les petites boules, et après j'avais tout vidé, et pour moi le champ était dedans, quoi. Donc, soit les petits pochons s'en servir de patch. Soit les petites balles, effectivement, pour les réacteurs. Pardon, tout à l'heure, j'ai quelque chose du sens. Oui, pas de problème. Et le tritium, il aurait quelle couleur? Le tritium, il serait blanchâtre. D'accord. De toute façon, vu qu'il nous reste un peu de temps, on va le dessiner. Pour vous le rappeler. Alors, il faut un bac, il faut créer en fait un kit CO2. Ça, je l'ai déjà fabriqué. Il ne me reste plus qu'à mettre l'eau pour pouvoir lancer le processus. Donc on a le zinc. Côté, on a le cuivre nano. Donc, on va les relier ensemble. Et là, il va falloir aussi la LED. Ouais.
Donc on va remplir d'eau, d'eau salée distillée. Et dessus, on va poser le bac avec le CH3 qu'on aura fabriqué. Et ton bac sera fermé. Voilà. Et donc ce bac là, il va falloir le fermer hermétiquement. Celui-là. Du coup, ça va permettre au CO2 de récupérer, vu qu'il ne pourra pas récupérer le carbone dans l'air, il va le récupérer dans le CH3. Donc là, on a le CH3. Voilà, donc le CO2 va récupérer le CH3. Le CO2 va récupérer le carbone directement dans le CH3. Et normalement, à la fin, il ne nous reste plus que du H3. Voilà, donc dans mon bac, bon, ça fait à peu près 15 jours maintenant, il y a énormément de, au fond du bac, en fait, de monticules blancs. Tout blanc. Donc, dans quel t'as fait ce principe-là ou pas oui, encore? Oui, ce même principe. Oui, ça fait 15 jours. Alors, j'ai fait deux fois. J'ai fait une fois dans un bac en plastique et un autre à côté dans un bac en verre. Les mêmes principes. Et dans celui-là en plastique, en fait, j'ai beaucoup de au fond du bac en fait des petits molécules blancs. Est-ce que c'est du CO2? Je sais pas. D'accord, t'as des photos pour nous montrer? J'ai pas pris les photos. Moi, je pense, je viens d'avoir le bac, peut-être qu'il faut pas le prendre avec du carbone dedans, donc peut-être pas en plastique en fait. Moi, je n'y croyais pas non plus que les carbones ils sortaient mais là-dedans, quoi. Je croyais que c'était juste la H3 qui allait au fond, quoi. Vu que tu fermes et que tu ne laisses pas les carbones, la nouvelle carbonique rentrer, quoi, tu vois? Que c'était juste les H3 qui allaient vers le fond, quoi. Non. Non, non, tu gardes dans ton petit pot qui flotte en haut, tu vas conserver ton H3. Tu veux juste vider le carbone de ce pot-là. Donc, d'accord. Tu prends un carbone en bas. Et alors, justement, la question que ça vient de me poser une question, je pense que si on utilise un pot qui n'a pas de carbone, c'est peut-être encore plus intéressant. Parce qu'il est fermé, il ne peut pas prendre le carbone par le haut. Si le récipient, les deux récipients, là, ne sont pas en carbone, enfin, ne sont pas en plastique, donc... il ne peut pas choper le carbone ailleurs que dans le CH3, en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Non, c'est vrai que j'utilisais des aquariums en Arizona. Et j'aimerais bien faire un petit partage d'écran. Ah oui, c'est vrai qu'en Arizona, ils font ça dans des aquariums. Ouais, dans des aquariums. Ouais, voilà. Ouais, donc ouais. Ouais, partez sur du verre, ouais. Ouais. Vas-y, Lily, tu peux partager l'écran. Voilà. Moi, c'est dans la phrase ici, au fond, là. Tu vois, observez la couleur, regardez la densité du matériel produit. Si vous observez le CH3, puis vous regardez le CH3 dont le carbone a été extrait pour devenir un H3, dans son état gaz au fond. Au fond, de quoi? Des petits réservoirs ou au fond du bac? Du petit réservoir. Au petit réservoir, ok. Cela ressemble à un nuage qui flotte et votre H3 est mélangé à votre CH3. Donc, l'étape de séparation, il va falloir aller en Chine hein, parce qu'apparemment, personne n'a trouvé comment. Quoi, hein. Mais on va y arriver, là. En Chine? Oui. Ah, l'étape de séparation. Fais gaffe, hein, ça peut t'envoyer n'importe où, ce truc-là. Le petit bac de CH3, il doit être ouvert ou fermé? Il est ouvert. Ouais, il est ouvert, le petit bac de CH3. Merci. Mais alors, tu dis que dans le grand bac, il récupère l'oxygène.
Non, il récupère le carbone. Ah, d'accord. Ok. J'ai fait un test avec un petit réacteur et je l'ai rempli avec du CO2, de l'eau plasma de CO2, avec un tout petit peu de gans. Et donc, j'ai laissé tourner pendant quelques temps. Mais à fond, hein, à vitesse au maximum, pratiquement 19 000, 20 000 tours minute. Et donc, j'ai laissé tourner peut-être une heure ou deux. Et quand je l'ai arrêté, en fait, il ne restait plus que la moitié de l'eau dans la balle. Et je n'avais pas pensé à prendre des photos avant et après, donc je ne peux pas vous montrer. Mais j'ai touché le contour pour voir si j'avais pas une fuite ou si c'était mal fermé. Et en fait, non. Donc, j'ai essayé de reproduire l'expérience pour voir si vraiment j'avais une perte d'eau plasma, entre guillemets, inexpliquée. Et donc, j'ai re-rempli la balle. Et pareil, je l'ai fait retourner donc, très vite. Et je passe la main, quand j'ai passé la main autour du réacteur, j'ai senti plein de gouttes, en fait. Il y avait des gouttes qui sortaient de la balle centrale. Donc, je l'ai arrêté et j'ai regardé au niveau de la jointure. Donc l'eau ne coulait pas au niveau de la jointure, c'était un peu plus bas. Et donc, je voyais que le réacteur était sec. Et donc, en fait, là, je me suis aperçu que le gant, il traversait le plastique. Quoi, Avec la vitesse, peut-être. Oui, avec la vitesse, l'eau plasma traversait. Même sans la vitesse. Je vous ai montré un jour, moi, j'ai des verres. Tout autour, il y a une espèce de croûte qui s'est formée et pourtant mes verres n'ont jamais débordé. Ça passe par l'extérieur, je ne comprends pas non plus. Et pourtant, c'est du verre. Hein. J'ai l'impression que ça passe à travers. Et là, tu me confirmes, Adil. Ouais, donc là, j'ai reproduit deux, trois fois l'expérience et à chaque fois, ça donne le même résultat. La bouteille, la balle se vide à trop de vitesse. Je vais essayer de trouver une photo pour vous montrer ça. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent du gant sec en Arizona. En fait, le gant sec, c'est pour voyager dans l'espace. D'accord. Alors. Est-ce que ces réacteurs ne servent qu'à voyager ou est-ce qu'on peut faire autre chose? On a d'autres choses à faire. En fait, M. Kesh a expliqué qu'avec ces réacteurs, on pourrait tout faire. Donc, que ça soit créer de la matière, que ça soit la guérison, l'énergie, on peut tout faire avec ça. Et tu as des infos pour en commander à plusieurs pour avoir des prix? Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais j'ai créé une discussion sur Facebook où justement on essaie de rassembler plein de personnes pour pouvoir acheter des générateurs en groupe. Alors pour l'instant, on n'a pas encore passé commande. Et Adil, mais dans ces chats-là, il faut que tu mettes les personnes, parce qu'en fait, il y a très peu de personnes dedans. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Donc, si tu ne peux pas rentrer, ils ne les voient pas. Quoi. Mais tu l'as indiqué où, ça? Je sur Facebook, je ne le vois pas. Ben oui, c'est dans les messengers, mais si tu n'es pas, entre guillemets, invité, tu vois, tu ne peux pas les voir. Donc, il va falloir, par exemple, mettre... les noms des gens intéressés ou les noms de tout le monde, je sais pas quoi. Hein. Ah, mais c'est pour ça que j'ai raté la moitié des messages, moi, alors, parce que j'y comprends rien dans Facebook, moi ça m'agace ce truc là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Mais Avil, il va vous nommer, toi, Maëlys et tous ceux qui veulent participer. Et voilà, comme ça vous verrez tous ces messages. Quand il y aura un messager, tu peux voir dans le chat, il y a un chat qui s'appelle achat groupé,
Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je crois, oui. Donc, il t'aura accès, quoi. Vivement qu'on se débarrasse de Facebook. Là. Ouais. Mais bon, par les moments, hein, c'est notre lien. Alors, soyons heureux. Oui, 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 je suis d'accord, oui. Moi, j'ai trouvé une photo. J'essaye de la transmettre pour vous la montrer. Bon, là j'arrive pas à la transférer, donc ça va être pour la prochaine fois. Puis la prochaine fois, je prendrai des photos avant et après. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Donc voilà, donc. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire. On fait déjà ces deux premiers gants, ce qui sont assez simples. Et après, on pourra passer au tritium. Moi, j'aurais bien une question. Allez. Alors, donc, quand on fait le deutérium, on obtient les deux hydrogènes, on est d'accord? Oui. Et quand on met un fil zingué, un fil de fer zingué avec du cuivre, on obtient aussi du carbone. Et comment on enlève le carbone qui est dans le gaz de deutérium qu'on a fait, puisqu'il est là? Ou est-ce qu'il est brûlé par quelque chose? Est-ce que tu as vraiment compris le processus, toi, Adil? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas, peut-être. J'ai très bien compris, il n'y a aucun. Enfin, c'est bon, ça. Mais pour le deutérium, j'ai encore un. Ouais, je ne sais pas, peut-être. Je veux bien le croire, mais je ne maîtrise pas la compréhension. Est-ce que quelqu'un le comprend là dans les participants? Pourquoi on se retrouve qu'avec deux hydrogènes et pourquoi on ne se retrouve pas avec le carbone comme pour le CH3? On se retrouve avec un CH2 pour moi, mais bon. Non, ça parle à personne. Ouais, je. Ouais, moi ça m'a dit. Je ne vois pas trop pour l'instant, mais c'était une bonne question, oui. Ouais. Et pour l'instant, enfin, moi j'ai pas vu d'infos non plus hein, là-dessus. Donc. Si on peut tous essayer de rechercher ça, et si quelqu'un a la compréhension, ça pourrait être bien qu'on en discute, non? À part si avec l'électricité, le carbone est, je sais pas, est détruit ou je sais pas, je vois pas. Et où va l'oxygène aussi? Je pense que l'oxygène, il est consommé dans l'air, pendant la réaction. Voilà, puisque comme ça chauffe, ça va plus concevoir. Après, le carbone. Peut-être il est consommé aussi, hein. Peut-être, oui, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre qu'on arrive à un H2 tout de suite, là. Qu'il n'y ait pas autre chose à faire derrière, quoi. Ouais, il faudrait revoir les enseignements, voir s'ils en parlent plus en détail. Après, moi, j'avais eu une idée pour faire du H2. Faire le même setup qu'on fait pour faire le tritium,
mais au lieu de mettre un bac de CH3, mettre un bac d'H2O. Et l'oxygène pourrait être attiré, il ne resterait que l'H2. Parce que dans l'eau, on a le H2. Hein. Oui. Non, ça ne me parle pas. Si, si, à moi, oui. Ah oui, je t'en avais parlé aussi, ouais. Mais du coup, c'est pas, ça ne sera pas à partir de Gans, alors. Exactement. Alors, il faudrait peut-être faire du... Oui, exactement, oui. Il y a ça. Donc, il faudrait trouver un Gans qui est d'hydrogène et auquel on puisse soustraire... Et en plus, pour arriver à avoir que le H2. C'est pas, je pars comme ça hein, dans les pensées qui me sont venues, donc je les partage avec vous. Peut-être ça peut donner des idées ou pas. Alors, entre parenthèses, j'ai créé un autre groupe. Donc, c'est un groupe de travail sur le réacteur. Mais en fait, pour ce groupe-là, je cherche vraiment des personnes qui sont vraiment motivées et qui vont fabriquer et faire des tests. Pas des personnes qui vont venir regarder si ça avance. Voilà. Donc pareil, si vous êtes intéressé, vous me le dites dans le chat et je vous ajoute à ce groupe-là. Moi, je suis intéressée dans tout ce qui est la compréhension du fonctionnement. Après, les moteurs pour faire tourner, bon, j'en ai pas pour l'instant, les réacteurs. D'ailleurs, je vais bien m'inscrire à Deal suivant le budget que ça va être, à l'achat groupé. Mais après, tout ce qui est ouais, la recherche de l'amélioration de ces gans, quoi, si on peut dire. Et justement, voir juste à avoir le champ du gans. Intéressé par ça, voilà. Si ça peut rentrer dans le groupe, je sais pas. En fait, dans le groupe, on travaille sur le réacteur, mais les gants, c'est partie des réacteurs aussi. Donc, alors moi, j'aimerais travailler un peu plus sur le champ du gans, tu vois. C'est pour ça que j'avais commencé à faire dans des boules directement mes gans pour après, tu enlèves les petits fils parce que là, tu peux pas mettre des plaques hein, ou les mini plaques que tu as fait. Et tu vides ta boule et dedans il y a le champ forcément hein. Tu vois comme oui. Cache tout à fait au départ qu'est-ce qu'il disait, l'important c'est la boîte hein. C'est pas tout ce qui est dedans, à la limite on peut le jeter, se mettre la boîte sur la tête. C'est un de ses premiers, je sais pas si tu te rappelles cette époque-là. Oui, je m'en rappelle, oui. Voilà. Donc je me t'ai dit bah, au lieu de faire dans la boîte, si on fait son gans dans une petite boule, tu vois, tu mets tes deux petits fils, tu mets ton sel, tout ça, tu fais ton gans et après tu vides tout et tu as le champ dedans forcément. Oui. Tu te sers de la boule vide avec ton champ dedans. Et en plus, alors la mettre à flotter, oui, mais là, quand on a fait le gant, si tu veux, c'est plus rassurant pour nous. On sait que le champ est dedans. Donc, ça pouvait être une étape avant de la mettre sans faire de gant. On peut la mettre après avec l'intention, bien sûr. Hein. Mais déjà, dans un premier temps. Voilà. Donc, moi, pour les réacteurs, ça serait plutôt chercher un concept pour que dans la boule, il n'y ait plus de gant, mais il n'y ait que le champ. Oui, je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Quoi? C'est-à-dire que tu fais tes petites boules et tu fabriques tes gans dedans. Et après, tu enlèves tes petits fils, ton gans, ton eau, tout, et tu as de champ dedans, dans ta boule. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est une évidence. Après, je ne sais pas... Bon, moi, de toute façon, c'est ce qu'on va être obligé de faire si on veut voyager dans l'espace. Mais ça, c'est clair, oui. Dis-moi, Adil, tu peux préciser ta pensée sur ce groupe-là dont tu parlais, préciser quand tu dis il y a des gens qui veulent s'investir, précise ta pensée, s'il te plaît. Bah, en fait, les gens qui veulent participer à ce groupe-là, ils vont fabriquer les gants, prendre des photos, partager leur expérience, et voilà quoi, un truc interactif et que tout le monde soit intéressé. Oui, d'accord. Chacun fait sa recherche. Oui, c'est ça, chacun fait sa recherche. On ne va pas copier la recherche de l'autre parce que c'est pas la peine si les deux font la même chose. Ça, c'est pas,
C'est pas que c'est pas bien de copier, c'est pas ça. Mais le but du jeu, c'est d'avancer, de grandir ensemble. Donc, bah, chacun dans son coin, entre guillemets, fait son truc, on partage, et de ces deux trucs-là, ou trois ou quatre, et ben on fait après encore un truc en commun, qui va être le regroupement de ces trois expériences ou quatre expériences. Ensuite, chacun repart, on rajoute un peu et on regroupe à chaque fois. C'est ça, dit? Ouais, on peut voir ça comme ça, oui. On peut voir ça comme ça. Oui, mais on est bien obligé de s'appuyer sur les connaissances et sur les expériences des uns ou des autres. Ça peut donner une idée à quelqu'un à partir de l'idée d'un autre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. à essayer d'avoir la compréhension d'après ce qui a été fait et de l'adapter après à ce que toi t'as compris. Et il y aura toujours un petit truc qui va naître en toi de cette compréhension qui ne sera pas née chez l'autre, forcément. Et après, on regroupe tout ça, quoi. Il faut faire un peu plus que ce qui est montré, je veux dire, un peu différemment, quoi. Oui. Tu vois, enfin. Alors, ouais, mais il y a aussi une chose aussi, c'est qu'il faut pas, comment dire, là, il y a plein de personnes en ce moment qui montrent des réacteurs, des façons de faire à Monsieur Cash. Et en fait, Monsieur Cash a expliqué qu'il fallait faire attention aux champs qu'on utilisait, parce que du coup, ça pouvait créer des clashs à travers les champs. Alors, je te donne l'exemple là. Par exemple, la dernière fois, c'était un monsieur qui avait fait du gans d'or, qui avait fait un CO2, qui avait fait plein de gans comme ça, et qui avait mis différents gans dans chaque boule pour créer son vaisseau. Et donc, monsieur Cash a expliqué qu'il fallait faire attention aux champs qu'on créait et puis aux interactions que ça créait en fait. Donc, moi, ce que je pense, c'est que bon, si Monsieur Cash nous a donné des gans de base à tester, c'est que bon, lui, il a déjà fait les tests, il sait que ça fonctionne. Il y a juste à reproduire et à comprendre. Et je pense que partir déjà sur ce principe-là, on est bon déjà. Mais on a moins de risques, je veux dire. Oui, il faut quand même rester sur les acquis et pas essayer d'inventer la poudre à canon, quoi. Disons qu'au début, tu fais les bases et après, tu fais comme tu veux, comme tu les ressens, voir si tu trouves pas quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est peut-être dangereux, comme il dit. Mais c'est pas grave, c'est ça l'expérimentation. Hein? C'est sûr, tu vas pas te mettre à faire des grandes plombs avec tout ce qui a déjà été dit, mais tu peux trouver un autre qui a une masse puissante et essayer avec. Ouais, mais si par exemple tu fais un champ qui est pas en accord avec toi et qui va te liquéfier, bah du coup tu pourras plus essayer d'autres Oui, il y a certains pays qui Voilà. le Ah, Non, parce qu'il mais. faut pas oublier qu'on est aussi des champs et qu'on est une accumulation de champs et qu'il y a donc on a un champ gravitationnel et un champ magnétique et si on déséquilibre ces deux champs, eh ben on tombe pas en poussière, mais bon, on se liquéfie, quoi. Un liquide, mais enfin, ceci dit, c'est pour ça que l'intention est importante, quoi. Hein? Oui, attention, il est Je peux important. dire même, hello, je vais faire un essai, rendez-moi ma forme originelle. Hein? Après la Oui, mais séquence. fais pas l'apprenti sorcier parce que tu vas disparaître un jour. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, hein, je prends le risque. Yeah. Ouais, quand je voulais dire chacun fait son expérience, je voulais pas dire expérimenter autre chose que ce que l'on fait, mais c'est pas dans le fond, mais dans la forme. Voyez, le fond, c'est toujours la même. Il y a une façon de faire un deutérium ou un tritium, mais dans la forme, dans la façon dont on va le faire. C'est ça que je voulais dire. Hein. C'est pas aller faire autre chose, bien sûr. Ok. Donc voilà, donc les gens qui sont motivés à travailler dans ce groupe, vous me contactez sur Facebook et je vous ajoute. Et vous pouvez venir travailler sur le réacteur. Ok, merci. Avec plaisir. C'est quel groupe, Adil? Et c'est un groupe que j'ai créé et il s'appelle. Je vais vous dire ça. C'est un groupe de travail plasma réacteur qui a fait ceci. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Cash avait expliqué qu'il y avait plusieurs groupes. Quoi, il y avait
je ne sais plus s'il n'avait pas dit trois groupes qui travaillaient sur sur le réacteur et qu'il y avait un groupe qui avait réussi à développer le réacteur du vaisseau. Et en fait, nous, dans le monde francophone, on n'a pas de groupe. Et en fait, c'est ça que je voulais faire, c'était créer ce groupe pour pouvoir justement développer le réacteur spatial. Alors, dans le groupe que j'ai créé, j'ai ajouté aussi donc Carolina, donc la femme de Monsieur Kesh, pour qu'elle puisse suivre l'avancement de ce que font les francophones. C'est suivre depuis chez nous, parce que si c'est pour aller vers chez vous, ça fait loin, hein? Ah non, on fait tout sur Internet, on s'envoie des photos et Oui, on d'accord, alors voit. je veux bien. D'accord. Et puis, moi, j'avais cherché dans les formules chimiques, tu vois, quelque chose qui ressemble, tu vois, qui ressemble à l'H2, là. Et j'avais trouvé la glycérine végétale. Et sa formule chimique, c'est HO, H2C, CHOH, CH2OH. Donc, je me suis dit qu'à partir de là, peut-être aussi, on pourrait faire des façons à enlever les carbones et qu'il nous reste que les H2, quoi. Hein? Mais je me Ouais, connais. faut essayer. Ouais, c'était essayé parce que moi, je ne me connais pas suffisamment en chimie comment pour décoder tout ça, là. Donc, je suis allé chercher un peu et ça pourrait être une piste, quoi. Ouais, Sinon, il y a l'éthylène. c'est pas Mais. un plasma. Il a dit la raison tout à l'heure. Il a dit, si tu mets de l'eau, c'est pas un plasma. Il faudrait faire du plasma d'eau, tu vois. Et pareil, la glycérine végétale, il faudra en faire un plasma. Eh bien, on peut faire un plasma avec glycérine végétale. Parce qu'en fait, c'est plasma. Mais de toute façon, si on fait, oui, si on fait un plasma avec glycérine végétale, ce serait dans les CO2. Hein? Donc, on rajoute pas des H là. Hein? Je sais pas, faut voir. Oui, bien sûr. Donc, Mais à essayer, quoi. Hein? c'est quoi la composition chimique de la glycérine végétale? H2, c'est Attends, quoi? j'ai partage l'écran et comme ça tu les vois là. Il y a deux oxygènes, Attends, attends, attends. il y a de l'eau. Voilà, tu le vois là dans le bleu là? C'est trop petit. Attends, attends. Peut-être qu'on peut agrandir la chose. C'est long comme formule. Voilà. Ah, super. Mais sinon, t'as mis. Bah si. Ah non, il faut que j'ai. Merde. Et pardon. Hop là. Bon, tu vas pas me la donner tout à l'heure? Attends, on va faire un méga écran là. Ah, oh, come Pourquoi il donne pas tout? Ah, il n'y a pas moyen. Pourquoi il ne veut pas y aller Bon, en tout cas, voilà, c'est dans les sites, dans les chats de la recherche, là. Des groupes de recherche, si tu peux les trouver là-dedans, parce que là, ça s'écoupe, je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est bon, on va bien avoir une chimique là. HO, H2. Ouais, parce que même si je vais par là, il n'est pas. Ah oui, tu la vois là, quand même, en complet. Là, je me suis dit, il y en avait plein des H2, H2, donc. Est-ce qu'on peut faire un gaz d'eau? Parce que quand même, l'H2O, ça serait bien. Parce que Oui, ça mais comment on fait un gaz d'eau enlève l'oxygène, quoi. Enfin, donc tu lui mets Ouais. du carbone dessous, c'est bon. Eh Enlève bien, le carbone, ça mais. sert à essayer aussi, quoi. Mais en tout cas, rajouter de la glycérine végétale dans les CO2, même si c'est dans un petit. Dans l'eau, tu as H2, donc deux hydrogènes, plus de l'oxygène. Oui. L'oxygène, tu le fais enlever par ton setup en dessous.
de zinc avec du cuivre parce que ça va attirer le CO2, donc ça va attirer ton oxygène. Bah écoute, mais il faudrait faire un gaz d'eau. Je ne sais pas si on peut faire un gaz d'eau. Bah oui, il faudrait quand même poser la question peut-être à M. Cash. Si tu parles bien anglais, hein. Non. Ça fait peur de parler anglais. Moi, je parle un peu, mais je ne suis pas sûr que je vais comprendre ce qu'il va me dire. Donc, ce serait pareil. On va y envoyer Fred. Ouais. Non, moi, je parle pas anglais. Alors après, il y a des traducteurs, des fois. Bon, en tout cas, voilà, c'est des pistes. Hein. Moi, je cherche des pistes partout. Je vais finir par en trouver quelque chose. Hein. Bonne piste, merci. C'est suite à notre conversation que j'ai cherché ça. Bon, mais si vous n'allez pas dire à rien d'autre d'important, je vais y aller à mon cours d'espagnol. Hein, ouais, si vous voulez, on peut arrêter la séance là pour ce soir. Ok. Merci Adil, en tout cas. Avec plaisir. Ouais, merci Adil. Il y a juste une petite chose que je voulais dire. Oui. Si c'est encore possible, j'étais en train de regarder justement, j'ai trouvé un site. Parce que je suis un petit peu les travaux de Rodrigo, docteur Rodrigo, et il donne en fait des façons de procéder aussi pour fabriquer le tritium ou le deutérium, mais d'une autre façon. Alors, je suis en train de regarder ça, alors je vais essayer de retrouver ces informations et puis je attends, j'ai lu, je me suis bien, j'avais fait un PDF de ça, quoi. Je vais les mettre sur notre site. C'est une recherche que je vais faire pour mettre, oui, justement, du tritium. Je crois que c'était à partir de l'aluminium et de la soude, des proportions. Oui, de la soude et puis un liquide nitreux. Je vais vous poster dans notre site de la fondation, là. Hein? Ok. Voilà, et comme ça, tout le monde va pouvoir les lire. Tiens, faut y aller dans les archives que j'ai. Oui, parce qu'il donne des petites choses intéressantes. J'ai trouvé une vidéo de lui assez longue, mais il parle, il donne des choses intéressantes, j'ai trouvé. Donc, voilà. Merci de me la rappeler, je vais les poster. Ok. Super. En tout cas, merci à vous tous, merci à Adil hein, pour tout ce que nous a apporté ce soir. Avec plaisir. Merci Adil, merci à vous tous d'être là. Ouais, merci à vous d'être là aussi. Catherine. Oui. Non, je te disais merci. Merci à nous. Bon, on va arrêter la séance pour ce soir. Oui. Bonne nuit tout le monde. Ah. Bonne nuit tout le monde. Bonne soirée et à bientôt. Bonne à demain. Bonne soirée à tous. Et à demain, oui. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous.